Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Planète Zoo. Alors, heureux de vous retrouver pour la suite, du bâtiment des crocos. Donc, alors avant de présenter l'espèce sur laquelle je vais travailler aujourd'hui, j'ai rectifié un petit peu cette zone, puisque j'avais eu des petits problèmes la dernière fois. Donc voilà, j'ai mis les rochers ici. Là, j'ai remis des rochers ici. Ah, évidemment, ça c'est chiant. Par contre, la caméra, une fois qu'on sort d'un bâtiment, on peut plus re-rentrer dedans. Voilà. Donc ici, j'ai remis des rochers ici. Là, j'ai mis. Ah mince, ça fait un décalage, mais c'est pas grave. J'ai mis un plafond, enfin un plafond. Une grande plaque noire en fait qui cache un petit peu la terre. J'ai mis quelques rochers, voilà. Là, je vais repartir sur de la végétation. Tout simplement parce que par ici, c'était pas très utile de mettre de la végétation. Là, j'ai mis un petit peu d'herbe. J'ai mis ceci, voilà. Donc j'ai un petit peu rattrapé mes erreurs de la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va travailler sur. Il est où? Le gavial. Le gavial. Voilà. Ce crocodile là qui est un petit peu particulier avec cette grande gueule. Et ces espèces de museau, enfin le nez, c'est son nez, je pense. Qui ressort un petit peu comme ça au bout. Ça fait bizarre, je trouve, mais bon. C'est l'espèce qui est comme ça. Hein. Je juge pas du tout. Donc. Elle n'a pas particulièrement besoin d'une grande zone, peut-être un petit peu, ouais, 300 mètres carrés en eau. Je pense que je les ai ici, il n'y a pas de souci. Ok, donc, on va regarder hein, tout de suite. Hein. De toute façon, zone aquatique, ouais, bah oui, j'ai le double. Ouais, donc c'est bien. Mais par contre, c'est une espèce, dans mes souvenirs, qui se reproduit énormément. C'est impressionnant. Dans des eaux, je me suis retrouvé avec une population de gavial, mais impressionnant. Donc, eh bien écoutez, on va aller les chercher. On va les faire venir. Et du coup, ça lancera le mode construction. Donc, gavial. Pof. Donc, longévité. Ouais, okay, ouais. De toute façon, il y aura toujours une caractéristique qui sera super négative. Voilà, c'est que par contre, c'est beaucoup. Voilà, peut-être celui-ci est mieux. Ouais. En fertilité, ouais, bah, l'autre il est à 0%. 17%, c'est toujours mieux. Elle est pas mal, elle. Un petit peu. Bon, allez. C'est bon, on va prendre celle-ci. Hop, hop. Donc, ils vont arriver. Allez, on accélère le temps. Bon, bah, ce petit zoo, enfin ce petit zoo, ce petit bâtiment commence à prendre forme. Gentiment. Est-ce que je peux déjà modifier? Tant que l'animal n'est pas dedans, apparemment, je peux pas modifier. Ok, on va attendre. Eh ben, les voilà, nos pépères. Alors. Donc, ça, on modifiera dans la partie. Ouais, faut pas que ça chevauche les autres. C'est un petit peu compliqué pour par là. Ok. Ici, je ferai les modifications sur la partie décoration. Hop. On va peut-être faire un petit peu moins grand ici. Il faut en laisser un petit peu pour là.
Mince. On dit c'est bien. Voilà. Bah écoutez, moi je me mets au boulot, je décore ce petit habitat et on se retrouve juste après. Allez, bon visionnage.
Bien avancé. Voilà, c'est terminé pour l'habitat des gavials. Bon,
Je suis satisfait sans plus, il est sympa. C'est vrai que je suis très limité par la hauteur du plafond. Ici, ça touche un petit peu. Bon, bah, je laisse couler parce que j'avoue que je peux pas non plus faire des miracles. Je vais peut-être pousser l'arbre un petit peu, mais bon. Ouais. Bon, c'est vrai que de toute façon, ça fait partie des contraintes. J'aurais peut-être dû faire un toit plus haut, mais après, ça aurait fait un bâtiment. Ouais. Ça passe quand même. J'ai quand même trouvé ce qui me plaisait. L'habitat en lui-même est quand même relativement sympa. Il y a mieux, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est pas évident. Comme ça, en intérieur, on peut pas vraiment mettre ce qu'on veut en arbre. Ça, je le savais, de toute façon, c'était un choix. Mais bon, l'habitat reste quand même cool. Au niveau là de la végétation aquatique, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Bon, bah évidemment, ça se déverse dans l'habitat du dessous, donc c'est quand même pas mal. C'est un habitat sableux. Apparemment, en majorité, ils veulent du sable, pas trop de terre, un petit peu de roche. L'herbe, ils sont pas particulièrement fans. Voilà, l'herbe 0%, ça les dérange pas. Donc, c'est vrai que ça simplifie les choses. Beaucoup de sable, et ça passe. J'ai mis une petite zone de couchage ici. Bon, on verra si ça leur plaît ou pas. Au pire, de toute façon, ils sont couchés là, un petit peu à l'écart. J'ai enfin pu placer, vu que l'habitat est assez grand, le bain de boue. Ça, ils vont aimer. Et du coup, comme pour les autres habitats, hop, un petit peu d'éclairage à l'intérieur. Un petit peu vert ici. Pareil ici, ça donne un petit peu de. On n'a pas l'impression que c'est éclairé. Mais vraiment pas. Et pourtant, c'est bien éclairé. Un petit peu en violet ici, j'ai voulu changer un petit peu. Idem ici, ce qui donne pas mal. J'ai voulu en mettre en dessous l'eau, mais je me suis dit non. Non, ça passera pas. Ou je ferai un test de mon côté pour voir, mais bon. Hop, on revient sur le jour. Bah écoutez, voilà un habitat de plus. Ok. L'habitat des gavials. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire et à partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Salut!